A Universal Interactive Studios production. Developed by Traveler's Tales. Fresh Bandicoot, the Wrath of Cortex. Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme, c'est Nolan. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo et pour un nouvel let's play sur Crash Bandicoot, la vengeance de Cortex, donc en anglais The Wrath of Cortex. Donc c'est un peu l'ancien Crash Bandicoot 4, parce que il y a Crash Bandicoot 4 qui va sortir le 2 octobre. Celui-là c'est un peu l'ancien quoi, c'est... Ils avaient fait à l'époque, à la base il devait s'appeler... même au Japon je crois qu'il s'appelle le Crash 4, parce qu'il y a le 4 sur le logo. Mais il va être remplacé par le nouveau Crash Bandicoot 4 bientôt. Donc je vais quand même faire un let's play dessus parce que je le trouve vraiment sympa. Et puis en attendant le prochain. Donc on se retrouve juste après la cinématique d'introduction. Ah il faut marquer son nom. Hop. Donc le temps de chargement soit assez long. C'est le défaut du jeu. D'ailleurs là on est sur un émulateur PlayStation 2, on n'est pas sur un vrai PlayStation 2. Ah ça a commencé. On se retrouve juste après. Imbécile, idiot, abruti, vous êtes vraiment des incapables. D'après mes sources, les statistiques de propagation du mal sont lamentables. Ouka ouka, ce n'est pas notre faute, c'est celle de ce maudit Bandicoot. Je ne laisserai rien ni personne contrarier la volonté du mal. Surtout pas un marsupial orange sans cervelle. Crash doit être éliminé. Ouka ouka, est-il nécessaire de vous rappeler que Crash trouve toujours un moyen de faire échouer nos plans? Il est peut-être trop fort pour nous. Assez d'excuses. Revenez tous les cinq avec un bon plan, bande de minables. Sinon... Comment puis-je me fourrer dans de telles situations? Oh, il doit bien y avoir une solution. Docteur... N'êtes-vous pas en train de mettre au point une nouvelle arme secrète dans votre laboratoire? Je ne vois pas de quoi tu parles, Entropy. Docteur Cortex, je crois qu'il fait référence à l'arme super secrète sur laquelle vous travaillez jour et nuit depuis la dernière fois où Crash vous a vaincu. Assez de chamaillerie. Avons-nous un plan? Bon. Lors de mes travaux scientifiques, j'ai créé une super arme génétiquement améliorée d'une puissance incroyable. Il ne me manque plus qu'une source d'énergie suffisante. Les éléments. Oui, les masques des éléments. Oui, les masques des éléments. C'est ça. Si je libère leur énergie destructrice, j'aurai assez de puissance pour mon arme secrète. Je pourrais aplatir les montagnes et démolir des villes entières! Et Crash Bandicoot disparaîtra jamais de la surface de la Terre. Prépare-toi à affronter ma vengeance, Crash Bandicoot! Vas-y, Crash! Génial! Tu te débrouilles très bien, Crash! Que se passe-t-il? Non, c'est impossible! Oh non! Que se passe-t-il? Oh non! Crash! Attention! Rien de cassé? On dirait qu'Ouka Ouka, mon jumeau maléfique, nous prépare encore un sale tour. Je dois découvrir ce qu'il manigance. À plus tard. Ah, bonjour, mon misérable jumeau. Je t'écoute, Ouka Ouka. Quel plan diabolique as-tu encore imaginé avec le docteur Cortex? Pas de problème. Juste quelques vieilles connaissances en visite.
Non, pas les masques des éléments. Uka Uka, qu'est-ce qui t'a pris de les libérer? Tu as déjà oublié ce qui s'est passé la dernière fois? Ils sont donc responsables de quelques raz-de-marée, tremblements de terre et de la petite ère glaciaire qui a sévi il y a plusieurs siècles. Ne te fais pas trop de soucis, frérot. Tu ne peux pas les contrôler, Uka Uka. Ils sont bien trop dangereux. Nous pourrions tous périr. Au contraire, Aquaco. C'est le début de la fin pour vous et votre précieuse planète. Détruisez-le! Tu ne t'en tireras pas comme ça. Personne ne pourra nous arrêter. Coco, c'est exactement ce que je craignais. Uka Uka et le docteur Cortex ont libéré un groupe de masques destructeurs appelés masques des éléments. Nous devons les arrêter avant qu'ils ne détruisent la Terre et ses habitants. Le seul moyen d'arrêter les masques des éléments est de les emprisonner en utilisant les cristaux antiques. Pour renvoyer un masque des éléments dans son état d'hibernation, il faut récupérer 5 cristaux. Ne perdons pas de temps. Coco, où en es-tu de la nouvelle chambre de téléportation sur laquelle tu travaillais? C'est bientôt prêt. Quelques petits réglages ici et là et ce sera prêt à fonctionner. Bien joué, Coco. Profitons-en pour effectuer un petit test. Dépêchons-nous. Il est temps de remettre les pendules à l'heure. Voilà, donc c'est... Les doublages sont vraiment pas terribles. Crash Bandicoot, mon ennemi juré. Qu'est-ce que tu deviens? Tu ramasses toujours des cristaux? Les habitudes ont la peau dure, n'est-ce pas? J'ai employé mes jours à quelque chose de plus intrigant. Voici Crunch, ma dernière création. C'est ça la créature qui sabote à chaque fois vos plans de génie? Vous plaisantez? Je ne vais faire qu'une bouchée de ce petit rat. Allons Crunch, tu vas bientôt affronter Crash. N'est-il pas incroyable? C'est un digne représentant de mon génie scientifique. Un vrai guerrier Bandicoot, contrairement à toi, Crash. Eh oui, on fait tous des erreurs. À bientôt. Elle est vraiment pas terrible sa voix. Bref, donc on va sauvegarder. On aura un emplacement. Ah bah oui, j'ai déjà une sauvegarde donc par là. Hop. C'est vrai que comparé à Crash 3, c'est un peu une douche froide niveau de la cinématique. C'est là la plus longue par rapport aux autres. Enfin par rapport entre Rune et Crash. Donc oui, donc premier niveau. Je pense avoir le temps de faire qu'un niveau. Qu'est-ce que tu regardes, tête de poil? Je suis Rocco, l'élémentaire. Uka Uka et le docteur Cortex m'ont sorti de mon sommeil. Et maintenant, je suis libre de pulvériser tout ce qui se trouvera sur mon chemin. Oh, oh, n'essaie même pas de récupérer les cristaux, pauvre Nabo. Ou je t'enterre vif. Voilà, les temps de chargement, super long. Alors du coup, le jeu était sorti sur... Ce que je voulais dire tout à l'heure, il était sorti sur PS2. Donc là, c'est la version PS2, mais sur un émulateur. Et donc, les temps de chargement sont très longs. Après, il était ressorti un an plus tard sur GameCube. Et là, les temps de chargement étaient déjà beaucoup plus courts. Et sur Xbox, les temps de chargement, je sais pas si c'était plus court par rapport à la version PS2, mais c'était les graphismes qui étaient encore plus beaux. Parce que pour l'époque, il est sorti en 2001, ce jeu, et franchement, c'est plutôt propre. Ça rame un peu par contre.
j'espère que ça ira pour le nouveau après. C'est aussi un peu une des premières vidéos rétro gaming que je fais. Quand j'avais déjà joué à Super Mario World sur un émulateur Super Nintendo aussi. Là c'est carrément un let's play qu'on va faire. Mais c'est vrai que du coup ce jeu, à son époque il n'a pas eu beaucoup de succès quoi. Parce que par rapport aux 3 premiers crashs, c'est vrai qu'il est, beaucoup moins bon. Après bon, pour moi il reste bon quand même. C'est un peu une douche froide, putain ça rame d'où. C'est un peu une douche froide pour le coup. Et moi franchement je trouve le plus grand bien. Parce que comparé à d'autres crashs qui sont sortis après, franchement il s'en sort bien je trouve. Après le problème c'est que les crashs qui sont sortis après c'est surtout les nouveautés. En fait ils arrivaient pas à faire des nouveaux avec Crash tout en restant dans l'esprit de la série, c'était un peu n'importe quoi. Mais il y en a qui aimaient quand même la nouveauté parce que bah, c'est simplement nouveau quoi. C'est vrai qu'il reste peut-être un peu trop classique. Mais au moins ça reste quand même dans l'esprit de la série. Jouer à un crash avec des niveaux couloirs et tout parce que ce soit un peu qui est moins de nouveauté plutôt que de jouer à un crash où, je sais pas t'as des genre t'as des barres de vie dans un certain crash même plus bonne hein. Enfin, dans certains autres et je sais pas si je jouerai d'ailleurs ce pote quand même sympa de faire quelques vidéos dessus. Alors faut pas qu'on perde parce qu'il y a un... Oh, attends. Ah oui ça par contre c'est un défaut de ce jeu aussi, enfin un gros défaut quand même, c'est la musique de l'invulnérabilité. Vous savez quand on a 3 masques, on devient invincible pendant quelques secondes. Mais là... J'ai tellement peur de tomber là. La musique elle est horrible, elle était beaucoup mieux sur les versions... sur le Crash 1, 2, 3 quoi. Parti pour nous. Sinon les musiques des niveaux, à part la musique pour le masque, sinon les musiques, autrement elles sont bien, franchement elles sont super bien. Oui non ça s'appelle niveau bonus, que je te raconte, c'est un peu le niveau secret. Enfin, c'est pas un niveau secret mais c'est la plateforme mortelle. Quoi. Et pour récupérer une gemme, alors, on va essayer. Je sais pas si je vais réussir. C'est dur. Bon du coup maintenant qu'on a le gem on peut se suicider, on le gardera quand même. Ça on va revenir juste avant de prendre la plateforme. Là ça rame pas mal hein. Ça ramera pas trop sur les prochains niveaux. On verra bien. Ça aurait été bien d'avoir le bazooka aussi. Du coup d'ailleurs aussi, si vous avez vu ma dernière vidéo sur, sur Crash 3, enfin c'est la version remakée mais par rapport à la version PS1, c'est bah, un remake, hein, ça change rien, il se passe les mêmes choses. Bah du coup à la fin, Cortex et Uka Uka finissent emprisonnés dans le temps. Ils sont prisonniers du temps. Et là c'est incohérent parce que du coup ils ressortent... Ils réapparaissent ça, sans explication. C'est ça aussi un peu le défaut de ce jeu, c'est une suite pas très logique en fait. D'ailleurs avec le Crash 4 qui va bientôt sortir, ils ont l'air d'avoir tout cassé, c'est pas trop tard, mais c'est vraiment... Après bon, c'est un jeu de plateforme que généralement on s'en fout un peu de l'histoire sur le genre de jeu. C'est vrai que c'est bien parce que dans les Crash 1, 2, 3, l'histoire se suffit. Dès que ça s'unissait, là où le 2 par exemple s'unissait, c'est là où le 3 commençait. Moi j'aime bien ce que j'ai. Par contre c'est relou le bruit des pommes là. Hop. Normalement on sera bon. Sinon après il reste qu'à faire une fois, c'est bon. Et on va s'arrêter là parce que du coup je vais faire des...
vidéo de 15 minutes, c'est mieux. 30 minutes, c'est un peu long. Enfin, 15 minutes, environ 15 minutes. Hop, nickel. On a tout. Toujours les temps de chargement, bien sûr. Mais je crois... Non, ils sont quand même... Je sais pas si longs que ça, parce qu'ils sont quand même beaucoup plus longs sur le remake de Crash Team Racing. Sur Crash Team Racing Nitro Fuel. Oh, c'est une horreur. Enfin, après, c'est pas non plus... je pense que ça va être une minute, une minute trente, mais c'est quand même pas mal. Hop. Et je vais vous montrer la Warp Room, d'ailleurs. Au niveau de la structure, c'est la même que celle du 3, hein, clairement. T'as 5 zones, t'as le truc au milieu là, qui va apparaître avec les reliques. Et donc, tu vas faire 5 niveaux, un boss, et tu gagnes la zone suivante. Mais c'est vrai que ça reste vachement classique. Au moins, on est dans l'esprit de la série. Bref, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo pour l'épisode 2. Et portez-vous.